en direct sur Handball TV, le match entre le Phoenix de Toulouse et les Béliers de Créteil. C'est la première rencontre de championnat cette saison entre le 7e et le 11e du dernier exercice 2021-2022. Deux préparations qui ont été convaincantes et pleines d'espoir pour ces deux formations. Europe pour l'un, le maintien et première tablée, moitié de tableau pour l'autre. Voici les enjeux de cette nouvelle saison de Liqui Moly Star League pour le Phoenix et les Cristoliens. Et c'est parti. Fechtman qui peut transmettre. Et le premier shoot, le premier but. Koff, cette petite passe pour Valentin Mann. Et oh, quel arrêt! Quel arrêt! Voilà, ça commence bien pour Jeff Letens, qui tout de suite permet à ses compères de repartir de l'avant. Et magnifique ça! Un retour rapide des Cristoliens. Oh là, quel shoot, la puissance! Ponciano, la puissance de Toulouse. Les supporters toulousains qui donnent maintenant de la voix, à moins que ce soit. Gars qui est très actif là dans son rôle. Ça laisse le shoot et la parade après rebond, mais c'est repris. Le rebond qui est repris par Ilic, qui permet à ses Toulousains de mener maintenant 6 à 4 après 11 minutes de jeu. Le premier arrêt était beau, mais revient directement dans les mains d'Ilic. Tout le monde, pas défendre. Gonzalo, numéro 23. Oh, cette passe magnifique pour Peterson, et voilà. Qui va donner un plus 5 désormais aux Toulousains. Et désormais plus 4. Bon, et très joli aussi de la part des Toulousains. Et c'est Balenciaga qui vient conclure pour redonner plus 5. On approche des 20 minutes de jeu déjà. C'est également à Montpellier. Le fils de l'entraîneur cristolien. Encore une fois, il est bien repris ce ballon, superbe ce que vient de faire là Thiago Ponciano. Pour l'instant pour le portier, oh, cette perte de balle, enfin cette récupération plutôt. Et voilà, c'est trop facile et trop complet dans quelques secondes. Oh, il est superbe ce geste. Et Barbeto qui avance toute vitesse, et c'est le but pour le fils de l'entraîneur cristolien. Qui va transmettre. Et la passe dans le dos, c'est sublime là ce que fait les Toulousains, c'est vraiment vraiment du grand balle là. Voilà, regardez, Balenciaga pour Vira, pour Ilic. Et voilà ce shoot très joli. Il a failli l'avoir, il a manqué quelques millimètres là pour pouvoir récupérer ce ballon dans. Allez, Traoré. Pour Babic. Voilà les buts qui s'enchaînent là dans cette seconde période. ...9/10 Nemanjić, il marque beaucoup et en plus il est efficace. C'est parfait ce soir ce qui fait le meilleur buteur. Meilleur buteur toulousain, mais là c'est... Saga qui transperce la défense, et quel but magnifique. Balenciaga plus en retrait là, qui est pris par Samuel Dean. Et Peterson fait le travail, qui envoie pour son numéro 15. Oh, la belle percée et le shoot entre les jambes là. Les Toulousains un petit peu moins précis, avec un peu plus de perte de balle. La Wagner qui prend le ballon et voilà, il profite un petit endroit pour frapper et placer ce ballon entre les jambes. Oh, ce shoot, qu'il est beau. Et les Cristoliens qui se sont réveillés. Allez, moins 4, il va rester. Voilà, attention, moins 3 maintenant. Il a bien trouvé cette passe pour Pierrick Schell. Et voilà le plus 5. Tobias Wagner, 137 kilos. Sacré poids qu'il a fait beaucoup de bien au Toulousain. Et ce but, est-ce qu'il est rentré? Oui, il est rentré. On va le revoir au ralenti, là, ce ballon qui a été frôlé du bout des doigts pour les Toulousains, plus 5. C'est avec Schell, oh là là, quel choix, oh, c'est magnifique ça, le Kung Fu. Entre les deux ailiers là, qui sont amusés là pour finir ce match. Ils cherchent encore une fois à marquer les Toulousains, ils ne se contentent pas du score. Et voilà, c'est Ponciano qui vient inscrire le dernier but de ce match, qui va s'arrêter. Première victoire de la saison pour Toulouse, 39-31 plus 8, et victoire éclatante
des Toulousains. Énorme attaque et énorme armada offensive des Toulousains, avec notamment Nemanja Ilić, bien sûr, comme à son habitude, auteur de 10 buts. Et Créteil qui va devoir s'en mettre au travail et surtout essayer de combler ces lacunes défensives ce soir, qui ont permis aux Toulousains de vraiment inscrire ces 39 buts et faire très mal à la défense pistolienne.